Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je fais encore entrer des femmes qui sont avec nous, des femmes leaders, femmes d'intuition. Je vais mettre aussi de mon côté, je vais aller mettre la mise en avant pour moi pour que l'enregistrement puisse être là pendant que je fais rentrer des gens. Alors, bienvenue. Bienvenue. Je suis vraiment excitée, tellement que j'ai décidé de mettre mon jacket d'homme. J'ai mis mon jacket d'homme. Je devrais même pas l'appeler jacket d'homme, je devrais l'appeler jacket de femme trop grand. Je magasine beaucoup chez Renaissance puis Auchan. Attendez, je vais le rendre un petit peu plus fashion, OK? Je vais le rendre un petit peu plus fashion, là, comme ça, là. Il est vraiment grand, il est immense. C'est un pied de poule. J'ai acheté ça chez Renaissance il y a peut-être un mois. Tu sais, c'est le genre de jacket, une belle grosse marque là, qui se vend à peu près 400 $ que j'ai payé 15 $. Et puis, sérieux, les filles, on m'a toujours dit, ah, dis, tu t'habilles très bien, waouh! Mais moi, là, je suis toujours allée, ça fait longtemps, très, très, très longtemps. En fait, ça fait presque 12 ans que je travaille avec le Chaînon, qui ont le magasin Le Chaînon. Ouais, magasin Le Chaînon. Donc, le magasin Le Chaînon, en même temps que je magasine des vêtements pour vraiment pas cher, en même temps, je redonne à des femmes qui ont besoin. C'est tellement merveilleux. On se sent tellement bien, juste pour vous le dire. Alors, j'ai mon grand jacket, puis j'ai mon chandail aussi, ça me tente plus. Donc, ça me tente plus que les autres prennent le contrôle sur moi. C'est moi maintenant qui va maîtriser ma vie. Puis c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Alors bienvenue. Bienvenue ce soir avec moi. Peut-être que vous regardez en rediffusion. C'est possible. Ce soir, c'est ma troisième séance d'info pour parler de femmes comme vous, des femmes leaders. Des femmes d'intuition qui inspirent par l'intelligence du cœur. Puis c'est une fierté de compter aujourd'hui près de 40 femmes, tout près de 40 femmes, je pense qu'on est rendu 38, 40 femmes leaders, femmes d'intuition qui font partie de mes premières cohortes, dont entre autres, il y a Annick qui est ici, qui fait partie de la cohorte, je pense que tu es la cohorte 4 ou 5, la cohorte 5. C'est ça. Merci d'être là. Et merci aussi à Lise qui s'est inscrite, elle, aujourd'hui. Elle dit, moi, je ne veux pas prendre de chance. Je m'inscris. Puis je pense qu'il y a Nancy Beaulieu aussi qui est là avec nous. Tu vois, hein, Nancy, qui s'est inscrite avant-hier, qui a dit, moi, je veux être là. Je veux être là. Alors, merci les filles. Vous faites partie de la cohorte 6. Mais ce soir, évidemment, j'aimerais ça qu'on remplisse ma cohorte. C'est des cohortes de 15 femmes. OK? Pourquoi je ne vais pas plus que 15 femmes? J'ai déjà été à 20. Ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse partager. Et aussi, pour moi, c'est donner le droit à la parole de s'exprimer. Donc, c'est sûr, quand on fait des rituels de pleine lune, on est devant Férouz et moi, puis. On peut avoir jusqu'à 300, 400 femmes, mais quand on est dans un coaching qui est aussi privé que celui que j'offre maintenant, quand on se retrouve en masterclass, 15, c'est vraiment mon maximum. Donc, j'annonce qu'il reste 10 places, OK? Parce qu'il y en a déjà 5 qui se sont inscrites. Alors, je vous parle de leadership parce que si vous êtes ici, j'imagine que vous voulez entendre parler de leadership. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup parler de leadership. Je suis certifiée du HEC. J'ai été présidente, jeune présidente d'une agence de publicité à Montréal, qui est une agence de publicité internationale, parce que mes patrons étaient à Toronto, puis les patrons de Toronto étaient à New York, puis après ça à Londres, puis après ça au Japon. OK? Ça, c'était toute ma gang de patrons qu'il y avait au-dessus de moi. Et j'ai adoré, vous savez, travailler en publicité, c'est travailler avec des artistes, de faire de la publicité pour des grandes entreprises comme Rona, Saint-Hubert, comme
Mon Dieu, j'avais des jardins, j'avais des ministères, l'Auto-Québec. Bon, pour les gens du Québec, vous connaissez ces entreprises. Pour les gens de l'Europe qui vont écouter en rediffusion, j'ai eu Danone, entre autres. Danone, c'est une entreprise qui est internationale. General Motors, qui est les voitures. Donc, c'était de construire ou de créer, développer des campagnes de publicité que vous voyez à la télé, qu'on entendait à la radio, sur le web, numérique, les gros panneaux affiches. C'est ce que je faisais. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de discipline. Ça demande de la créativité. Et moi, je gérais des équipes de 100 personnes. Donc, pour gérer des équipes de 100 personnes, vous pouvez bien imaginer, c'est pas tout le monde qui m'aimait. Tu sais, quand vous dites, oui, mais Adi, on t'aime. Non, non, attends une minute, là. Quand tu es patronne puis que tu dois dire à quelqu'un, ça fonctionne pas. Dommage, ça fonctionne pas. On va retravailler ensemble. Je vais essayer de créer avec toi une personne qui a le goût. Moi, quand je te demande pourquoi tu viens travailler, ce que tu me réponds, c'est ben, je viens travailler pour la paye. Je te comprends. Je te comprends très bien de venir travailler pour la paye. OK? Moi aussi, je travaille pour ma paye. Absolument. Mais c'est quoi ta passion dans la vie? Puis quand la personne, elle me dit, mais moi, ma passion, là, je suis un artiste. Puis là, quand je suis ici, là, je travaille dans le service de comptabilité, puis je sens pas que je suis heureuse, je sens pas que je suis bien. Et moi, là, ça me brisait le cœur. Ça m'a toujours brisé le cœur de gérer des employés à qui je devais dire à un moment donné, mais je dois te laisser aller. Je dois te laisser aller parce que ce que tu fais comme travail, ça ne correspond pas aux besoins de l'entreprise. C'est vraiment dur. Je sais pas les autres patrons. Il y a des patrons qui étaient plus durs que moi, mais moi, ça me mettait à l'envers. Mais en même temps, je leur disais, hey, va te faire un coaching en même temps. Pourquoi tu t'en vas pas dans ce que t'aimes vraiment? Qu'est-ce que t'aimes vraiment? Moi, je coachais. Même quand je disais aux gens que je devais les remercier, je les coachais. J'ai toujours coaché. Et je coachais surtout des femmes. Parce que je coachais, j'avais des employés qui étaient des hommes, là. Mais les femmes, elles sont tellement des passionnées, des femmes qui travaillent, qui savent ce qu'elles veulent. Elles sont, moi, pour moi, la femme, elle est d'une extrême intelligence parce que la femme, elle a à l'intérieur d'elle deux énergies qui sont très puissantes. L'énergie masculine, pourquoi? Parce qu'elle est comme ça, puis elle est capable. Garde, c'est de même qu'on travaille. Capable, la femme. Puis l'énergie féminine, quand elle devient la mère. Quand elle devient la mère de ses amis, puis qu'elle s'en occupe. C'est ça. C'est ça, une femme. Une femme, ça peut combiner les deux énergies. Mais maintenant, est-ce qu'on en prend conscience? Et c'est ça que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'on ne prend pas toujours conscience de nos forces. Et un jour, la vie m'a envoyé des beaux messages. Et un des messages que j'ai reçus, c'est que je ressentais que j'aurais préféré mettre la lumière sur des femmes pour les accompagner à oser être elles-mêmes que de mettre de la lumière sur des pots de yogourt puis du poulet barbecue. Tu comprends? C'était le fun, là, de faire des campagnes de pub. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent en publicité ou en marketing ici. C'est génial. Aujourd'hui, j'adore. Je suis contente d'avoir fait de la pub parce que je suis capable de faire ma propre pub. Je suis capable de monter mes sites Internet. Puis quand notre webmaster, elle nous parle de pub, je suis capable, je comprends. C'est tout est beau. Je suis contente d'avoir fait ça. Mais pour moi, mettre en lumière des autos, c'est pas mettre en lumière des femmes. Et j'ai compris que pour mettre en lumière des femmes, fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et puis un jour, en 2016, mon poste, ça faisait plus de 20 ans, même 24 ans que j'étais présidente d'une agence de publicité internationale, mon poste a été aboli. Parce que à Montréal, on n'avait plus besoin d'une présidente et on donnait la présidence à Toronto, évidemment. Et là, j'ai dit, c'est ma chance. Mais j'étais prête. J'étais prête à devenir entrepreneur parce que les années précédentes, j'avais mis en application ce que j'ai développé, que j'adore et que j'enseigne maintenant. C'est les cinq piliers sacrés pour
créer ta vie épanouie pour que ta vision de toi devienne une réalité. Et ta vision, si tu ne la connais pas, si tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller, si tu ne veux pas ce que tu veux faire, si tu ne veux pas savoir ou tu ne sais pas comment trouver ton intention, comment tu peux entrer en action si tu ne sais pas quelle est ta vision? Alors, tout ça, j'ai décidé de le développer sous un thème que j'appelle le leadership conscient ou le leadership authentique. Ah, ça vous va jusqu'à maintenant? OK. Ce que j'aimerais, c'est juste vous lire, savoir pour vous, là, comment on peut reconnaître une femme qui a pris le leadership de sa vie? Une femme qui est leader de sa vie, une femme d'intuition. Comment je peux la reconnaître? Elle est comment, cette femme-là? Allez me partager comment elle est. Elle est comment, cette femme-là? C'est une femme intuitive, ben oui. C'est une femme intuitive. C'est une femme qui se fait confiance, absolument. C'est une femme qui est centrée en équilibre. Yes, madame. Absolument. C'est une femme qui est centrée puis en équilibre. Alignée. C'est une femme épanouie. Absolument. Elle est authentique. Elle est sûre d'elle. Elle est joyeuse. Absolument. Ouais. Elle ose. Elle ose plus. Elle ose être elle-même. Absolument. Elle est audacieuse, Chantal. Absolument. Audacieux, hein, c'est oser. Et oser vient de audacia. De audacia. Qui veut dire oser? L'étymologie de oser, c'est justement audacieux. Elle écoute son cœur, absolument. Elle a une démarche de confiance, absolument. Mais savez-vous quoi? La femme leader, un petit peu comme la lune, c'est pas pour rien qu'on aime beaucoup hein, les rituels de pleine lune, Féroz et moi, et les rituels de nouvelle lune, et qu'on aime la lune en général. Pourquoi? Parce que, comme la lune, elle peut faire des vagues. La femme leader, femme d'intuition, elle sait qu'elle peut déplacer de l'air, hein, la bonne expression, là. Elle respecte ses choix et expérimente ses choix, oui. Elle a une démarche de confiance, on l'a dit, elle inspire, absolument. La femme leader, c'est la femme qui inspire, c'est la femme qui guide. La femme leader, c'est celle qui peut reconnaître ce que j'aimerais ne plus être et que je suis. Tu sais, mettons, elle peut dire, ouais, je me trouve paresseuse des fois, puis j'aimerais ça arrêter de l'être. Elle est capable de. Elle n'a aucun problème à le dire. Aucun problème. Quand j'ai écrit Sorcière et audacieuse, genre, je l'ai raconté plusieurs fois. Plusieurs fois que je suis passée à Denis Lévesque pour parler de Sorcière et audacieuse, puis qu'il y a des gens qui m'ont écrit, ils ont dit, ben, t'es folle. J'ai dit, ben oui. T'es en plein ça, t'as raison, je suis folle. Puis je me sens bien folle comme ça, parce que c'est pas moi qui va parler d'oser, puis parler des femmes, à quel point on a une puissance, qui va y aller? Je vais le prendre, moi, le crédit de ça, d'être folle pour y aller. J'ai pas de problème avec ça. Puis l'autre personne, elle a le droit de penser comme ça. Elle a le droit de penser comme ça. Et comment on fait pour, justement, elle est authentique. Celle dont les bottines suivent les babines, yes, absolument, elle est vraie. Donc, la leader aussi, ce qu'elle fait, c'est créer de l'impact. Donc, je me suis mise à étudier toute jeune. J'étais toute jeune quand j'ai étudié le leadership. D'abord au HEC, je l'ai étudié beaucoup. Je l'ai étudié aussi à travers des livres. Et pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que la femme leader, c'est une femme qui connaît sa vision. C'est-à-dire que qui je veux être? Qui je veux être? Et quelle intention je peux avoir pour m'amener à qui je veux être? Et qui je veux être, c'est ma vision de moi. Et c'est là où j'ai développé, puis ça m'a pris quand même des années, vous savez, parce que c'est ce que j'ai développé, que j'appelle le pentagramme, regardez si c'est beau, c'est le pentagramme d'équilibre, OK?
et de protection qui nous amène, c'est une étoile, en fait, à cinq branches. Et au centre, il y a, je ne sais pas si vous voyez, c'est le moi, c'est la moi leader authentique, la moi leader consciente, qui est un tout petit point au centre. Et pour moi, être une femme leader, c'est une femme qui a de l'intuition et qui est spirituelle. Et oui, ça m'a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, je l'assume parce que je pense avoir été une bonne présidente, j'ai aidé beaucoup l'entreprise à augmenter les revenus, la performance, donc je dois être une femme de chiffres, mais en même temps, pour moi, une leader, c'est une femme qui inspire, mais c'est une femme qui est à l'écoute de ses employés. Et c'est la même chose, vous savez, dans votre vie personnelle. Une leader, une femme leader naturelle, va l'être autant dans son travail qu'elle va l'être dans sa famille, avec ses amis. Et ces cinq piliers que j'appelle les piliers sacrés du leadership authentique, du leadership conscient, ces cinq piliers, c'est ceux qui, moi, m'ont aidé à voir clair dans qui je veux être. Et comment je veux l'être? Quelle énergie je veux y mettre? Donc, les cinq piliers, je vous les nomme, OK? Et puis, je vous annonce aujourd'hui que j'ai un éditeur qui est l'éditeur que j'avais pour Sorcières et Audacieuses qui, avec moi, on a convenu que j'allais commencer à mettre en ligne et en écriture le livre des cinq piliers sacrés du leadership conscient. Je suis vraiment contente, c'est avec les éditions de l'Homme que j'aime beaucoup. Les éditions de l'Homme, ça me fait rire. Oh ben non, les éditions de l'Homme! Alors, mais ils s'appellent comme ça. Alors, les cinq piliers. Votre vision, c'est le premier. Avez-vous une vision? Avez-vous, merci beaucoup Caroline, une vision de qui tu veux être. Ta vision, c'est qui je suis, qui je veux accéder. C'est me connecter à cette vision-là qui fait en sorte que je vais toujours mettre mon focus sur qui je veux être. Est-ce que tu sais qui tu veux être? C'est pas facile, les filles, de mettre ça en mots. L'homme, c'est l'humain. C'est ça, on devrait l'appeler les éditions de l'humain. Et moi, ce qui me fascine dans qui je veux être, c'est surtout le pouvoir de l'intention. Parce que l'intention, c'est comment je vais m'y rendre. Et moi, les filles, j'ai toujours travaillé sur le pouvoir de l'intention. Pour celles qui me connaissent, le pouvoir de l'intention, c'est comment je vais me rendre à ma vision. Donc, ton premier pilier sacré, c'est de confirmer ta vision. Et ça, c'est un coaching privé que je fais avec vous. Ça nous prend 75 minutes à 100% avec toi à te poser des questions. Et en plus, tu vas t'être préparé avant. Puis là, je vois Annick parce qu'elle l'a fait. Tu le sais, Annick, hein, parce que quand vous venez, je vous fais travailler parce que vous avez, en vous inscrivant, vous recevez un guide de 35 pages. Il est super beau, pour celles qui me connaissent, il est super beau. Vous pouvez écrire dedans, puis à chaque fois qu'on a un coaching privé ou une masterclass, avant, vous avez 3, 4 pages, 5 pages à lire, puis à répondre à des questions pour vous mettre vraiment dans cette espace pour aller à la rencontre d'un pilier sacré. Le premier pilier, c'est la vision. Et la vision, c'est en coaching privé qu'on fait ça. Même si on est 15 femmes, là, c'est en coaching privé. Et donc, justement, je disais à Lise, c'est ça qui est le fun, parce qu'on va être ensemble, toutes les deux, pour parler de ta vision, qui tu es. Puis, quelle intention. Et
Là, vous arrivez, peut-être vous allez me dire, moi, je ne sais pas quel mot, je ne sais pas quel mot utiliser. C'est ma job de vous accompagner. Je vous le dis, là. C'est sûr. Là, à date, il y a 38 femmes. Les 38 ont leur vie. Ben, pas les 38, parce qu'il y en a 3 qui viennent d'arriver, 5 qui viennent d'arriver. Donc, 33 qui ont leur vision. Alors, je vous donne la mienne, ma vision de moi. Moi, je suis Audie Giroux, je suis une auteure de 2 livres et 2 oracles best-seller. Je suis une conférencière, une coach en leadership conscient, une guide qui s'assume parce que je suis libre d'être qui je suis. Ça, c'est, je ne sais pas si ça vous donne des frissons quand je vous dis... Moi, là, quand je nomme ma vision, là, moi, je frissonne quand je nomme ma vision. Quand vous nommez la vôtre, vous frissonnez aussi, je peux vous l'assurer. Annick, je vais te faire entrer dans pas long. Tu le sais, hein? J'aimerais ça que tu viennes en parler parce que c'est tellement puissant quand tu as ta vision. Mais je n'ai pas fini, là. Ma vision de moi, là. Puis vous me direz si vous me reconnaissez, OK? Moi, ce que je veux, c'est inspirer les femmes d'intuition. Toutes les femmes qui viennent dans mes cours, en rituel de pleine lune, dans mes belles vaspata, qui viennent en femme leader, femme d'intuition, qui viennent en guidance angélique, dans éveil, dans tout ce que je fais. Les livres, les oracles, tout ce que j'ai. C'est toutes des femmes d'intuition. Il n'y en a pas une qui dit « Non, moi, pas l'intuition. » Aucune. Donc, je sais que moi, ma cible, les femmes qui viennent me... D'abord, c'est des femmes. J'ai des hommes aussi. Je vais vous dire, je fais du coaching d'hommes aussi, mais c'est plus à faire, puis c'est plus du one-on-one. C'est pas dans des groupes. Donc, j'inspire des femmes d'intuition à avoir le courage d'être elles-mêmes. À oser leurs différences. Je juste, y en a-tu une ici qui n'a pas le goût d'oser être elle-même? Y en a-tu une qui dit, moi, j'en ai rien à foutre d'être moi-même? Y en a pas une qui lève sa main, hein? Ben, c'est sûr. Non, mais là, vous dites, ben oui, mais c'est sûr. Non, non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Les femmes qui viennent ici, ce sont des femmes qui veulent oser être elles-mêmes et qui ont déjà commencé à le faire. De toute façon, quand vous venez ici, vous avez déjà commencé la démarche. Ah, puis je viens de voir Michel Garceau qui est là, elle aussi, c'est une femme les deux. Donc, j'inspire les femmes d'intuition à oser être elles-mêmes, oser leurs différences avec assurance pour accéder à un monde infini de possibilités. Donc, moi, ce que je veux dans ma vision, c'est aider les femmes à avancer dans leur dimension, toutes les dimensions de leur puissance féminine, à reprendre leur pouvoir puis à connecter à leur spiritualité. Ça, c'est ma vision de moi. Puis ça va toujours être ça. Mais j'étais toute petite, puis c'était ça. Et le jour où vous mettez les mots sur votre vision, votre vie vient de changer. Parce qu'on le sait à l'intérieur de nous, hein, mais c'est de mettre les mots. Ça, c'est ma job. Je suis très bonne là-dedans pour vous accompagner à mettre les mots. Puis après ça, je vous transfère cette responsabilité-là, et c'est vous qui dites, ben ce mot-là, je préfère celui-là, puis je change celui-ci, puis c'est magnifique de voir. Et vous venez le dire devant tout le monde, toutes les 15, c'est tellement beau, la cohorte, comme ça devient serré. Et l'intention, parce qu'il y a deux choses dans ce premier pilier, il y a la vision, puis il y a l'intention. L'intention, c'est comment je vais m'y rendre. Comment je vais faire, moi, Audie Giroux, pour être cette femme qui va inspirer les autres à avoir le courage d'être elle-même, comment je vais faire ça? Parce que c'est beau de dire que je veux faire ça, puis c'est ma vision de moi, mais comment je vais le faire? Ça, c'est l'intention. Le pouvoir de l'intention, il vient comme compléter. Donc moi, pour arriver à accompagner les femmes à oser être elles-mêmes, puis avoir le courage, hein, le courage d'oser justement leurs différences, bien, ce que je fais, c'est que moi-même, je m'aligne avec mon essence profonde. Je ne peux pas arriver ici puis pas oser. Je ne peux pas arriver ici puis avoir la tête entre les deux jambes. Je veux dire, je ne peux pas. Hey, oser votre différence, mais je n'ose pas la mienne. C'est impossible. Pour toutes les femmes qui vont être à Nicolet en fin de semaine, parce que je m'en vais à Nicolet dans
dans un événement où il y a Nathalie Simard, où il y a Julie Perrault qui est là, qui est la porte-parole de l'événement, c'est pour accompagner des femmes. Donc, je fais une conférence. Férouz va être à l'écran de l'Allemagne. Moi, je vais être sur la scène. Ben, c'est sûr que je vais mettre une jupe avec des froufrous, puis avec des Doc Martens dans les pieds, puis que c'est sûr, avec ma grosse tête de cheveux, c'est sûr. Parce que je veux oser ma différence. C'est ma passion, ça. Oser la différence pour amener les femmes à se connecter à elles. Alors, moi, mon intention, c'est d'oser ma différence en me connectant à mon essence profonde. Mais j'aligne comment? J'aligne les âmes vers leur désir le plus profond. Donc, comment je le fais? Mais c'est avec des approches spirituelles, des approches que moi, je considère modernes, puis qui sont en symbiose avec le leadership. Et ça, les filles, quand j'ai mis le doigt sur, j'ai besoin de revenir parler de leadership intérieur des femmes, ça a été tellement puissant pour moi. Parce qu'en 2016, quand mon poste a été aboli, j'ai décidé, pendant les 7 années suivantes, donc de 2016 à 2023, à ne faire que des rituels de pleine lune, de guidance angélique, méditation. J'ai été vraiment dans mon yin le plus profond, moi qui étais très, très, très yang. Donc, je suis même plus retournée sur le média. Vous connaissez les médias sociaux, il y a le LinkedIn qui est très business. Je l'ai délaissé pendant 7 ans. Je viens de revenir. Jusqu'au moment où je suis prête à revenir dans mon yang pour parler de leadership. Mais je vais parler de leadership d'intuition. Parce que moi, je crois que la femme leader, c'est une femme qui a énormément d'intuition et qui se connecte à elle. Donc ça, c'est votre vision. C'est le premier qu'on apprend. C'est un coaching tout seul. Et ensuite, on s'en va avec les 5 autres qui nous amènent à la fin, à l'action. Parce que ça donne quoi d'avoir une vision si tu ne la mets pas en action? Donc, l'action aussi, c'est un coaching privé. Le premier, j'émets ma vision. Le dernier, comment je mets ça en action pour y arriver? Comment je fais pour y arriver? Et là, quand on rentre dans l'action, vous repartez, puis vous savez quoi faire. Les femmes, depuis ce temps-là, moi j'en ai une qui a déjà fait son site internet, il y en a une autre qui a fait sa conférence, il y en a une autre, et c'est incroyable, les changements. Puis Annick, j'aimerais ça te faire rentrer. Je peux-tu? Viens-t'en avec moi. Viens-t'en avec moi. Allô? Allô? Merci d'être là. Attends, je vais t'amener. Merci d'être là. Annick, ma belle Gaspésienne, comme moi, Annick est une femme leader aujourd'hui. Puis Annick, quand on a. Puis Annick, ce que j'aime d'Annick, elle fait son travail. Tu as tout lu, toi, bien avant qu'on commence. Ouais, moi quand je m'investis dans quelque chose, puis tu sais, c'était pour moi aussi, fait que Ouais. c'est un précieux cadeau à s'offrir. Tu sais, tantôt, je t'écoutais lire ta vision, la nommer, puis en ressortant la mienne, je me disais, jamais que j'aurais pu penser sortir ça, puis tu nous accompagnes tellement bien, c'est tellement facile de pondre notre vision, puis notre intention, puis c'est un accompagnement mot à mot. C'est vraiment, vraiment précieux. Puis on apprend à se découvrir aussi dans ce cheminement-là, même si on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va nous apporter, puis tout ça, puis finalement, on se découvre. Ouais, beaucoup de prise de conscience, hein, tu te souviens? Est-ce que Ouais. tu lirais un petit bout de ta vision? De ma vision, oui, ça va me faire Oui, parce plaisir. que c'est ça aussi, hein, c'est que juste de la lire, tu sais, des fois, on a peut-être un peu de réticence, hein, à lire. Et hey, moi, ma vision, je ne suis pas sûre. Mais
Ce processus fait en sorte qu'il était là, je vais la lire, j'ai zéro problème à le dire et de le manifester. C'est comme si tu mets toute l'énergie avec toi pour y arriver. Mais c'est un peu aussi de s'assumer, là. Je pense qu'on a peut-être un peu de la difficulté à assumer qui on est, mais qui on veut devenir aussi, le jugement des autres. Fait que de se dire, ouais, moi, je suis ça, puis c'est ça que je veux faire, puis je vais faire ça pour me rendre là. On Ouais. dirait que c'est de le dire, de le nommer, puis souvent dans les groupes, il n'y a pas de jugement. On est là pour toute la même raison, fait que ça coule facilement. C'est tellement une belle énergie de groupe que voilà. Et puis en plus, ben vas-y, donne-nous un petit bout. Ma vision, c'est je suis libre d'être qui je suis, totalement moi, une femme spirituelle et connectée. Je transmets, je communique, j'amène les gens à voir au-delà d'eux, à s'ancrer à eux-mêmes. Je les guide à s'observer, à voir leur essence pure, voir leur vraie nature. Je les ramène au cœur d'eux-mêmes parce qu'au fond, tout part de soi. Je suis drivée par la passion d'apprendre pour rendre service. Je suis un pilier de lumière. Ah, c'est-tu assez beau? C'est magnifique. Et Merci. quand on l'a terminé ensemble, il y avait quelques petits mots que tu as. Je pense que quand tu es revenu au deuxième, tu as dit, j'ai changé ce petit mot-là. Parce que quand vous repartez, tu sais, tout se fait pas comme ça. Bon, mais c'est fait, c'est réglé, je l'ai, ma vision. Ça a été la même chose pour moi. Je l'écris, puis c'est possible qu'à un moment donné, je la regarde, puis je dise, ah, je vais peut-être enlever ce mot-là. Je vais peut-être le changer. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on avance, puis ça se peut qu'on fasse des modifications. Il n'y a rien qui est coulé dans le ciment parce qu'on est toujours en mouvement. Et il y a beaucoup de ça que tu es déjà maintenant. Ça a été un immense tremplin. Vraiment. Vraiment, vraiment. Le temple a été vraiment pour moi, quand vous avez parti ça, Eddie et toi, ça a été, j'ai senti comme une bascule, un déclic. Puis avec ce programme-là, avec ça a été, j'en aurais pris encore plein tellement, c'était nourrissant, puis tu sais. On dirait après 5, j'étais là, oh non, pas déjà. Juste faire les devoirs, puis tu sais, de se replonger là-dedans. Tu sais, on apprend vraiment à se découvrir, à apprendre à qui on est vraiment avec tes accompagnements, puis ouais. Beau, merci. Merci. Puis tu sais, il y a une intention qui est venue avec ça. Donc, ton intention, c'est comment j'y arrive. Donc, toi aussi, tu as eu à créer ton intention. Et il y a cinq, puis là, je vais te laisser aller. Merci, Annick. Merci à toi. Que vous sachiez, Annick est devenue une collaboratrice à moi et Myriam Turenne parce qu'on fait une tournée cet été qui s'appelle c'est comme une expérience haute vibration qui s'appelle Renaissance. Et on va être à New Richmond. J'ai vu Geneviève Cormier tantôt qui s'est inscrite, qui va être. Oui, c'est vraiment le fun. Donc, on va être à New Richmond et c'est grâce à toi, ta collaboration avec nous dans ce projet. Alors, c'est beau parce qu'on fait des belles rencontres et présentement, que vous sachiez, il y a un Messenger dont tu fais partie. Et le Messenger, c'est pas un Facebook, c'est juste un Messenger, mais les femmes s'envoient des photos. Voici, il y a quelqu'un qui dit, il y en a une de la gang qui voulait s'acheter un VR, elle nous a raconté ça, les femmes, c'est go, 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 tu vas y arriver. Il y en a une autre, Diane,
Diane Ouellette, qui, elle, après, elle a comme pris conscience que ce qu'elle voulait, c'était être sur la scène, faire une conférence. Elle a fait sa première conférence à Saint-Hyacinthe durant le salon de l'éveil qu'il y a eu il y a quelques semaines. Et deux filles de femmes leaders sont allées la voir. C'est vraiment C'est spécial. vraiment une communauté. Ouais. C'est beau, tous les échanges, mais ça fait penser comme une gang de chums, là, que, hey, j'ai tel projet. Hey, moi, je connais quelqu'un qui, puis moi, je peux t'aider, puis moi, je vais faire ça, puis attends, je t'envoie le lien de. Et écoute, ça pop tout le temps. Il n'y a pas une heure qui se passe sans qu'il y ait un message qui pop sur la conversation. Fait que c'est tellement beau qu'est-ce qui est en train de Ouais. prendre expansion. C'est magnifique. Et vous savez pourquoi c'est beau? Je vais vous donner mon secret. Le secret, parce que ça peut pas être comme la tribu. La tribu, on est 9500 dans la tribu. Quand on sera 9500 femmes leaders, je verrai. Mais c'est sûr que dans la tribu, je peux pas dire, vous pouvez mettre vos promotions, je peux pas, sinon ça va devenir avec 9500, un site de promotion promotionnelle. Ce qui est beau, c'est qu'il y a zéro restriction dans le Messenger. Zéro. Donc, si vous avez un programme, vous pouvez inviter les filles à y aller. Il y a Sybille en France qui a invité à aller à un des ateliers qu'elle faisait, je pense. Es-tu allée, toi? Je ne sais pas si tu es allée. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont allées. La méditation, tu veux dire, dimanche? Ouais, Qu'elle j'en ai fait quelques-unes avec elle. Wow! C'est très, très, elle guide très bien. Wow! Vous voyez, Sybille? Sybille qui est dans Femme Leader. Donc, elle a offert ça. Les femmes sont allées. C'est vraiment beau. Et ça permet aux femmes leaders qui veulent être entrepreneurs de se pratiquer aussi. Vraiment beau. Merci beaucoup, Annick. Merci. Ouais. Alors, je laisse aller, Annick. Je continue, les filles, OK? Je continue. Si vous avez des questions, je vais vous prendre des questions, mais je veux vraiment aller au bout de ce que c'est. Parce que quand on a émis notre vision, et entre la vision et l'action, OK? Ça, ce sont deux piliers sacrés. Entre ma vision que j'ai et l'action que je vais faire pour y arriver, pour justement que mon intention arrive à la vision que j'ai de moi. Entre ça, il y a trois piliers. Et ces trois piliers sont extrêmement importants. Le premier, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est quelle énergie je mets dans cette vision. À chaque fois qu'on est ensemble, on travaille votre vision avec le pilier. Donc, quelle énergie? Mon énergie, c'est mon essence profonde. C'est qui je suis. Mon énergie masculine, quand est-ce qu'elle est en équilibre? Quand est-ce qu'elle est en déséquilibre? Quand j'ai peur de manquer d'argent, là, les filles, c'est un déséquilibre de mon énergie masculine. Juste que vous le sachiez. C'est un déséquilibre, avoir peur de manquer d'argent. Quand je sais où est-ce que je m'en vais, puis que je me mets des objectifs, puis j'ai pas peur de les exprimer, c'est un équilibre d'énergie masculine. Donc, je vous apprends, vous avez un beau tableau avec quand est-ce que mon énergie féminine est en déséquilibre. Quand je laisse tout le monde passer en avant de moi, puis que je fais tout pour les autres, puis que je m'occupe pas de moi, c'est un déséquilibre de l'énergie féminine, ça. Donc, de juste mettre des mots là-dessus, vous allez prendre conscience. Hier, j'étais justement avec Lucie, Lucie qui était dans ton groupe d'ailleurs, qui a fait son dernier coaching d'action. Elle amène cette feuille-là, c'est une feuille qui parle des énergies masculines et féminines. Vous avez beaucoup de documents d'ailleurs que vous pouvez avoir et puis relire et relire. Et cette feuille-là, elle l'avait avec elle dans un autre petit document avec un plastique. Regardez, ça, c'est l'équilibre masculine.
quand on est en équilibre de notre énergie masculine, en équilibre de notre énergie féminine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand mon énergie féminine est en déséquilibre ou blessée? Et mon énergie masculine est blessée, qu'est-ce qui se passe? Imaginez tout ça quand on le sait. On est capable de mettre des mots sur des ressentis qu'on a. Ça vous amène complètement ailleurs. Donc, l'énergie, c'est un pilier sacré que l'on passe une masterclass complète là-dessus. Et ensuite, on a la connexion. La connexion, c'est mon intuition. C'est ma force supérieure de communication qui est reliée à mon essence profonde, à mon énergie. Avec les autres aussi, ma connexion. C'est ma capacité à créer des liens qui vibrent autant avec les autres qu'avec moi-même. Alors, on apprend ça, la connexion. La connexion, c'est mon intuition. C'est comment je peux entendre les autres. Laisser la place aux autres, mais laisser de la place à moi aussi. Donc, la vision, l'action, et entre ça, on parle d'énergie, on parle de connexion, et le dernier, c'est la passion. Parce que si votre passion ne fait pas partie de votre vie, on manque quelque chose, les filles. Moi, ma passion, c'est l'écriture. Ma passion, c'est l'enseignement. Je suis venue sur Terre pour enseigner. Si je n'enseignais pas, qu'est-ce qui se passerait? Allez me partager quelle est votre passion. Là, vous allez me dire, je ne suis pas sûre. Juste une petite passion que vous avez. Allez la partager. Nommez-moi une passion que vous avez. Le chant, l'écriture. Bravo pour la passion. Merci, Suzanne. Puis je vais te raconter l'histoire, Suzanne. Quand j'ai commencé à écrire sur les piliers sacrés, c'était les quatre piliers sacrés du leadership intérieur qui m'amène à mettre en action ma vision de moi. Mes quatre piliers, ça allait bien, l'énergie, la vision, l'action, puis en tout ça, c'est l'énergie puis la connexion. Mais il me manquait quelque chose. Je me levais le matin et je me disais, il me semble qu'il me manque quelque chose. Jusqu'à un moment donné, dans une méditation, ça a fait « pouf ». On a dit, t'es une passionnée dans la vie. T'aimes. Je suis une passionnée, moi, je suis une intense. La passion, vous savez, c'est le feu sacré. La passion, c'est ton feu sacré, la raison pour laquelle tu te lèves le matin. C'est ton intensité émotionnelle qui te motive et qui t'anime. Quand t'es pleinement engagé dans quelque chose, c'est probablement parce que c'est une passion. Demandez à un petit garçon de se lever le matin à 5 heures pour faire le ménage parce que maman y a demandé, vas-tu se lever? Mais demandez à un petit garçon qui aime le hockey de se lever à 5 heures du matin pour aller à sa pratique, il va-tu se lever? C'est sûr! Mais c'est la même chose pour nous. Même chose. L'accompagnement. Tu dis que toi, c'est accompagner, c'est aider, c'est la découverte. Nadine, c'est l'enseignement. Toi aussi, tu es une enseignante. Tu adores les chiens, tu adores la pédagogie. Tu défends les enfants au plus fort de toi. Tu le sais. Alors, dans tout ce que tu veux faire, si tu dis, moi, un jour, je vais être une coach, tu dois enseigner. Tu vas être une bonne coach si tu enseignes en même temps. Et là, vous allez dire, ouais, j'ai jamais pris conscience. Votre passion doit faire partie de vos piliers sacrés. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Quand on est en coaching ensemble, c'est ça qu'on fait. On va aller parler de votre passion. C'est laquelle? Est-ce que ta passion, tu la mets au service de ta vision? Est-ce que ton énergie, tu la mets au service de ta vision? Est-ce que ta connexion, tu la mets au service de ta vision? Est-ce que l'action, tu la mets au service de ta vision? Et c'est ça le coaching que je vous offre. Et les filles, oui, je sais, quelqu'un qui me dit, vas-tu mettre ton lien? Excusez-moi, je suis partie. Bon, vous voyez, je suis une passionnée, j'enseigne. Je vous mets le lien ici, OK? Et le lien que je vous mets, il reste 10 places pour le prochain coaching. Je vais vous donner les dates et tout ça, là. Check de groupe de la Réunion. OK.
C'est une masterclass qui est de 795 $ parce que vous avez en tout et partout entre 15 et 20 heures où vous êtes avec moi. Vous avez à l'intérieur, puis vous avez 100 $ aujourd'hui si vous faites le code femme leader 100, vous avez 100 $ de rabais. Ça, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Et ça, c'est si vous faites un paiement en un paiement. Sachez qu'au niveau financier, s'il y en a parmi vous qui dites « moi, j'ai des assurances », moi, je vous donne un reçu d'assurance de Rythma. Donc, plusieurs ont la possibilité de faire rembourser une partie. OK? Donc, en mettant « femme leader 100 », ben, vous avez 100 $ de rabais. Maintenant, si vous dites « moi, j'aime mieux payer en versement », vous pouvez payer jusqu'à 3 versements. Donc, 1, 2 ou 3 versements. Si vous payez en un versement, prenez « femme leader 100 ». Si vous payez en 2 ou 3 versements, vous pouvez prendre « femme leader 50 » parce que je vous enlève quand même 50 $ que vous fassiez 2 ou 3 versements. Ce que ça fait, les filles, c'est que ça vous amène dans une communauté de femmes leaders tant et aussi longtemps que moi je vais être là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date limite, c'est pas pour un an. Là, je suis partie pour en faire plusieurs. Moi, j'espère avoir plusieurs cohortes. Je suis quand même une tenace, hein, les filles. Pour celles qui ont fait éveil, là, j'ai fait la 60e cohorte éveil dimanche passé. On est rendu à près de 600 femmes qui ont fait éveil. Donc, si je prends le modèle de éveil à l'univers angélique, puis que je l'amène, oui, yahoo, puis que je l'amène dans le modèle de femme leader, ben, je pense que je vais en faire beaucoup. Il y en a plusieurs qui m'écrivent, OK, puis qui me disent, c'est-tu pour moi? C'est-tu pour moi? Puis, je vais vous dire après qu'est-ce que ça comprend, parce que vous avez 7 masterclass, vous avez accès à moi. Je vous donne un exemple. À un moment donné, Diane, quand elle a fait sa conférence, elle m'a dit, Audie, j'aurais besoin d'aide. J'ai dit, moi, de donner du temps. J'ai donné 2 fois 45 minutes pour l'aider à son coaching. Pas à son coaching, mais à sa conférence. Je l'ai accompagnée. Quand vous devenez femme leader, j'essaie d'aider. On s'aide entre nous. Donc, oui, un prix, mais en même temps, après, vous avez accès à du coaching, parce que des fois, je vais mettre du coaching directement dans le Messenger. Et je vous dirais que j'ai aussi donné, il n'y a pas longtemps, un autre coaching que j'ai créé, que j'ai mis sur pied, puis que vous allez avoir accès. C'est un coaching sur l'épanouissement humain. Donc, comment j'accède à l'épanouissement humain? Puis en plus, ben, j'ai créé un guide pour vous accompagner. Donc, vous avez des questions ici, vous pouvez prendre des notes. Ça a duré 1h30, presque 1h40, et il est maintenant sur la plateforme que vous pouvez regarder. Et c'est basé sur les 5 R. Donc, c'est un modèle qui a été... J'enseigne beaucoup de modèles de leadership, que vous sachiez. OK? Donc, je vais vous dire à qui ça s'adresse, si vous vous reconnaissez. Et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que ça comprend. Ça s'adresse aux femmes qui viennent avec une intention de créer de l'impact. Les femmes qui ressentent à l'intérieur d'elles qu'elles peuvent créer de l'impact. Donc, j'ai des femmes qui arrivent, qui sont à la direction de départements, de services dans des entreprises. J'en ai qui sont à l'université, qui sont en train d'étudier, puis qui disent « moi, je sens que je veux créer de l'impact, puis que je veux développer plus mon leadership ». Ça s'adresse à des femmes qui, peut-être, sont des femmes de lumière comme moi, qui sont des coachs, qui sont des massothérapeutes. Ça s'adresse à des femmes qui sont des entrepreneurs, qui disent « moi, ce que je veux, c'est être une travailleuse autonome, mais je veux être une gestionnaire aussi. » Parce que quand
on est travailleur autonome, on a une clientèle à aller chercher. Hein. Donc, c'est pas nécessairement des postes formels en leadership, mais tu deviens leader de ta propre vie puis de ta propre entreprise. Ça s'adresse à des femmes qui savent qu'elles peuvent accompagner dans leur famille, autour d'elles, des femmes qui ont toujours été avec du caractère, qui sont peut-être à la retraite, j'en ai beaucoup qui sont à la retraite aujourd'hui, et qui créent de l'impact parce qu'elles redonnent, elles enseignent, elles font des enseignements, elles font du coaching, elles aident dans des fondations. Il y a des femmes qui arrivent de, je dirais, tous horizons. C'est pas ce que tu fais qui fait la différence dans tu vas te plaire. C'est ce dont, ce que tu recherches à l'intérieur de toi. Parce que tu vas avoir des modèles à travailler. Et les modèles que je fais travailler, c'est des modèles qui t'amènent à mieux comprendre des niveaux de leadership. Comme par exemple, j'enseigne un modèle de John C. Maxwell que j'adore et ça te parle des niveaux de leadership. Mon niveau 1, c'est quand moi j'ai un titre puis j'aide pas personne, ma porte est toujours fermée. Puis quand je dis ma porte est fermée, là, les filles, c'est pas juste au travail. Ma porte est fermée à ma famille, ma porte est fermée partout. OK? Ça, c'est un niveau de leadership. Là, c'est quoi le niveau 2 de leadership? Je commence à m'intéresser aux autres, même si les autres ne sont pas intéressés à moi. Là, vous dites, ben oui, mais si les autres ne sont pas intéressés à moi, attends, c'est toi le leader. Moi, je suis là pour vous amener à votre leadership. C'est toi le leader. Attends-toi pas à ce que ce soit les autres qui viennent te dire quoi faire. C'est toi la leader. C'est toi qui va accompagner l'autre à s'ouvrir. Oui, mais il ne veut pas s'ouvrir l'autre. C'est pas grave. Toi, tu es là pour dire qui tu es, ce que tu vois avec ton cœur. L'autre, ça ne veut pas dire qu'il est prêt tout de suite. Il va peut-être arriver dans 2 ans, 3 ans. C'est pas grave. Toi, tu es toujours solide. Mais ça t'arrive de ne pas être solide. Puis quand ça t'arrive d'être moins solide, ben, tu sais quoi faire avec. Mais tu sais dire les choses. Tu t'exprimes en ouvrant ta porte. Et là, je t'amène dans tous les niveaux de leadership. Et tu comprends des choses. Puis Annick pourrait le dire, Michel est là aussi. Tu comprends des choses que tu fais, OK, j'avais jamais pris conscience de ça. Ça, c'est un modèle que j'ai adoré, que j'ai appris de John C. Maxwell. Et j'en enseigne un autre qui est de Patrick Lencioni. Celui-là, c'est comment je fais pour être et de créer une équipe fonctionnelle autour de moi. Parce que lui a travaillé avec des équipes dysfonctionnelles. Comment je fais pour garder mon leadership avec des équipes dysfonctionnelles? Et une des premières choses, c'est la confiance en bas. Puis le deuxième niveau, il y a 5 paliers. Le deuxième palier, c'est le conflit. Là, vous allez me dire, ben voyons donc, on dit le conflit, je ne veux pas de conflit dans ma vie. Je n'ai pas peur du conflit. Moi, je vais dire ce qu'il y en est. Et si ça crée un conflit, ce n'est pas grave. On va aller au bout de ça parce que je suis une leader. Et ça devient un mode de communication sain quand on est capable de dire les vraies choses. Donc, le conflit se transforme en communication saine. On ne doit pas avoir peur d'aller dans le conflit quand on dit les vraies choses. Donc, c'est des modèles comme ça que j'apprends, que je vous enseigne. Et que quand je les enseigne autant pour votre travail que pour votre vie personnelle. Et ça vous amène complètement ailleurs parce que vous vous dites, OK, là, je suis en train de faire des prises de conscience. Je me retiens toujours, je ne dis pas les vraies choses parce que j'ai peur de blesser les autres. Tu ne blesses pas les autres quand tu dis ton authenticité. Tu es juste en train de dire, voici mon besoin. Mon besoin, moi, c'est de m'exprimer. Et de m'exprimer que je ne veux plus que tu dises des mots blessants devant les autres quand on est ensemble.
ça me blesse. Moi, je souhaite que tu cesses. Mais tu t'es retenu pendant des années parce que tu ne veux pas blesser l'autre. Tu ne veux pas blesser l'autre, mais c'est toi qui es blessé. Donc, comment je prends ma place? Comment je m'exprime? On va aller dans des modèles comme ça. On va aller parler de ça. C'est tellement puissant parce que en même temps qu'on a nos masterclass ensemble, vous avez aussi des moments avec vous où vous répondez à des questions qui vous amènent à ces réflexions. Alors, voilà, c'est ça mon beau bijou que j'adore, que j'aime et qui pour moi est super complet. C'est un travail sur soi, c'est un travail aussi pour vous aligner à votre vision et qui vous amène dans l'action à travers votre énergie, votre connexion et vos passions. J'espère que ça a été plus clair ce soir. Les filles, là, je ne sais pas, je pense qu'il vient d'avoir une inscription. Il reste 9 places. Je souhaite qu'on soit 15 femmes qui allons se soutenir. Parce qu'en même temps, sachez que quand vous vous donnez cette occasion d'apprendre, de faire aussi vos exercices, parce qu'il y a des exercices à faire, de faire votre méditation, vous avez une méditation dès le départ. OK, là, je vais vous dire qu'est-ce les dates. Merci. Merci. Quand je pars, hein, les filles, je pars. Alors, les dates. Ce sont les 4, 11 et 25 mai. Et, attendez, je vais vous mettre les dates ici. Ça, c'est les masterclass où on est ensemble. Ben attendez, je vais tout vous dire qu'est-ce que ça comprend. Voilà. Donc, ça, c'est quand on est ensemble. C'est 7 masterclass en tout. OK? Dans les 7 masterclass, vous avez 2 coachings privés de 75 minutes avec moi. Souvenez-vous, la première, c'est la vision. Ensuite, la dernière, après le 25 mai, c'est l'action. Maintenant, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Dès que vous vous inscrivez, vous allez avoir un calendrier. Et dans le calendrier, vous avez juste à cliquer, vous allez avoir plein de moments où vous pouvez prendre votre premier coaching. Le premier coaching doit être pris avant le 4 mai. Parce que le 4 mai, quand on arrive, on est rendu au deuxième pilier d'énergie et déjà votre vision va avoir été établie. Maintenant, en vous inscrivant, ce que vous recevez, c'est le lien pour télécharger votre guide et vous avez à choisir votre date pour votre premier coaching et vous avez une méditation du leadership intérieur qui est à l'intérieur de votre guide à faire. Elle dure 20 minutes. Il y a des femmes qui l'ont écoutée 5-6 fois, juste pour vous le dire, parce que ça vous amène à des questions. Des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui vous prépare à quand on va être ensemble. Puis quand on est ensemble, moi, c'est un gros cadeau, hein, juste pour que vous le sachiez. Alors, 2 coachings, OK? 2 coachings qui sont privés. 3 masterclass qu'on est en groupe. C'est des masterclass de 2 heures seulement. Je ne vous garde pas 7 heures, 8 heures. C'est des masterclass de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Et pour le Québec, c'est le samedi matin, les samedis 4, 11 et 10 et 25 mai. C'est de 8h30 à 10h30. Donc pour l'Europe, 14h30 à 16h30. Pour le Québec, 8h30 à 10h30. Donc ça vous laisse amplement le temps pour faire autre chose durant votre journée. Ça dure 2 heures. Et quand on est ensemble, c'est là où on peut se parler, développer. Mais moi, c'est surtout des enseignements que je fais pour que vous puissiez mieux comprendre l'énergie. Ça va être une masterclass, l'autre la connexion, et l'autre c'est la passion. Et la passion, c'est vraiment une masterclass qui est la dernière avant notre coaching privé, qui est extrêmement puissante parce qu'on va venir parler chacune de nos passions. Maintenant,
Il y a un coaching qui est une masterclass qui a été enseignée. Et ça, les filles, juste que vous sachiez, de temps en temps, je viens faire des coachings parce que j'aime ça. Donc, je vous invite à venir. Soit que vous venez en direct. Donc, il y a 24 femmes qui sont venues en direct, je pense. Et les autres peuvent le regarder en rediffusion. Donc, cette masterclass qui s'appelle « Accéder à l'épanouissement humain », elle est déjà sur la plateforme et vous pouvez déjà la regarder avec le guide à télécharger. Ça, c'est une masterclass. L'autre masterclass, elle a lieu le 13 mai à midi et c'est toujours, toujours une entrevue avec une femme leader, quelqu'un qui est une personnalité. Et celle qui va être là le 13 mai, c'est Sophie Reiss. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît, c'est une auteure. C'est elle qui a écrit le livre « Un cancer en cadeau ». Et Sophie, il y en a qui la connaissent, c'est ça. Sophie, moi je l'ai connue, on a fait des conférences sur le leadership féminin il y a quelques années ensemble. Donc, je lui ai demandé de venir le 13 mai, c'est elle qui est là. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que toutes les femmes de toutes les cohortes sont invitées à venir à ce midi. C'est de midi à 1h le 13 mai. Et là, on se retrouve plusieurs femmes de d'autres cohortes, donc ça va être les 6 premières cohortes, et elles restent avec nous, elles nous parlent d'elles, elles nous parlent de ce qui a fait en sorte, puis c'est très beau parce que c'est toujours des entrevues de grande vulnérabilité. Qu'est-ce qui a été difficile pour elle? C'est quoi sa passion? Comment elle a réussi à mettre de côté les candidatons, les jugements pour faire vraiment ce qu'elle voulait? C'est vraiment magique. On apprend et vous pouvez aussi poser des questions. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, le prochain, c'est avec Sophie Reiss. Il y en a 3 qui ont déjà été faites. Donc, on a eu Karine Champagne, on a eu Isabelle Étier, qui est une chroniqueur à TVA, et on a eu aussi Mélisa Baudry, qui est une coach. Donc, ces 3-là, ces 3 entrevues que vous avez sur le nuage quand vous accédez et que vous pouvez déjà aller voir les entrevues. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les prochaines femmes leaders qui vont venir dans des entrevues, vous allez pouvoir y accéder. Donc, à chaque fois, j'ai quelqu'un de nouveau. À l'automne, je ne sais pas encore qui va venir, mais quand elle va venir, moi, je vous envoie un courriel et vous pouvez y accéder. Alors, si je vous demandais, je vais remettre le lien ici. C'est sûr que pour les femmes qui sont ici, vous dites, est-ce que c'est pour moi? Évidemment, la femme qui souhaite... Venir, c'est une femme qui ressent à l'intérieur d'elle un leadership, qu'elle comprend ce que le leadership signifie. Et c'est ce qu'elle recherche à l'intérieur d'elle, c'est de devenir la leader de sa vie. Donc ça, c'est hyper important. Puis toutes les femmes qui sont ici, j'imagine que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, les filles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez le mettre dans le chat sans problème. Je vais y répondre. À moins que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Oui, mais oui, vas-y. Colette, tu peux poser ta question. J'entends pas ta question. Ça fonctionne. Va l'écrire, Colette, ça va être mieux. Va l'écrire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je vais vous remettre le lien, les filles. Merci beaucoup. Avant qu'on se laisse, j'aimerais ça que vous alliez m'écrire qu'est-ce qui est là pour vous présentement. Qu'est-ce que vous avez fait comme prise de conscience? Qu'est-ce qui a été là pour vous? Merci Nadine. Merci Nadine. Qu'est-ce qui était là pour vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que
Il y a quelque chose qui est là. Quelle prise de conscience vous faites? Parce que les prises de conscience, c'est ce que l'on fait pendant tout le coaching. C'est des prises de conscience. Vous allez remarquer que ces prises de conscience, ça nous amène à évoluer, à grandir, puis à prendre des décisions. Beaucoup. Croire en soi. Ouais, ça propulse. Hein? Une réflexion en cours. Je me sens vraiment bien, emplie de douceur et de générosité. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Puis prendre conscience aussi du leadership hein, que vous avez à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. J'ai écouté mon intuition, vos mots qui ont été en synchronicité pour moi cette semaine. Donc, je me suis inscrite. Merci, Karine. Tu vas adorer. Tu vas adorer, Karine. C'est un cadeau, un petit peu comme Annick, elle le disait tantôt, c'est comme un cadeau pour soi. C'est un cadeau pour soi. Puis moi, ben, ça me fait un cadeau aussi en même temps. Puis vous allez voir, dès que vous vous inscrivez, on va arrêter tantôt, là, puis je vais aller vous rentrer dans le family messenger des femmes leaders. Vous allez vraiment, comme Annick le disait, ça pop-up. C'est vraiment de l'entraide. Toutes les femmes partent avec cette volonté de s'entraider. C'est vraiment clarifier ma vision en lien avec mes passions, absolument. Et c'est pour ça, Stéphanie, que ça devait être un coaching privé, tu comprends? Parce que pour moi, à chaque fois que j'ai travaillé une vision avec un employé quand j'étais en entreprise chez Cara, quand on faisait les évaluations avec les employés, puis que chacun des employés disait, je sais pas où est-ce que je m'en vais, je sais pas. Et je disais, attends, on va s'arrêter, on va travailler. C'était vraiment un à un. Et c'est pour ça que pour moi, ces deux coachings privés devenaient essentiels. Parce que je peux pas avoir 15 femmes, puis d'expliquer à 15 femmes, OK, c'est quoi votre vision? À toi, c'est ça, toi, c'est... Pour moi, ça, c'était insensé, les filles. Et c'est pour ça que je me suis dit, je dois faire ça en privé. Puis tu sais, normalement, c'est 60 minutes, mais souvent, c'est 75. Puis il y en a d'autres que ça prend une demi-heure de plus. Ça prend une demi-heure de plus, point. Parce que tu dois sortir, puis c'est clair. C'est clair, ta vision. C'est vraiment un beau cadeau. Donc, effectivement, de clarifier ta vision en lien avec tes passions, en lien aussi, si je continue avec les autres, OK, Stéphanie, en lien avec ton énergie que tu veux y mettre, en lien avec ta connexion que tu veux y attribuer. Puis ta connexion, c'est ton intuition, ta connexion avec toi, ta connexion avec l'autre. Bien important. Les cinq sont complets. Et quand la passion, c'est beau parce que tu as nommé les passions, tu sais, quand on prend conscience que ta passion doit faire partie de ta vision, c'est un beau cadeau parce qu'on la laisse souvent de côté. Puis c'est ça qu'à un moment, c'est une des raisons pour lesquelles, souvent, les filles, on va vouloir changer de travail à un moment donné parce que ça marche plus. Non, ça marche plus, j'aime pas mon travail. C'est parce qu'il manque le bout de passion, puis parce qu'il y a quelque chose qui est désaligné avec tes niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, ben là, je suis partie sur d'autres choses. Bon, je vous laisse dans 5 minutes. Mais les niveaux de conscience sont importants. Les niveaux de conscience, on en a 7. Hein? Donc, c'est mon environnement. Est-ce que je suis dans un environnement ici qui me plaît? Ça, c'est important, l'environnement. Puis mes actions, chaque action que je fais à chaque jour, est-ce que c'est une action qui répond à ma vision? Vous savez, moi, quand j'ai pris conscience, puis il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 2 ans de ça, j'avais beaucoup, beaucoup de mandats que je faisais à l'extérieur. Tu sais, j'avais mon entreprise de coaching et j'ai mon entreprise avec Féro. C'est comme 2 entreprises. Hein? J'ai la mienne, Création Auger, ça s'appelle comme ça. Puis j'ai celle avec Féro. On fait les rituels ensemble, on fait l'écriture ensemble. Et j'avais plein d'autres clients pour qui je faisais plein de mandats, mais ces mandats ne répondaient pas à ma vision de moi. Même si j'aimais ça, ils ne répondaient pas à ma vision. Et c'est là où j'ai pris conscience que mes actions ne répondaient pas toujours à ma vision de moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire?
C'est ça qui est magique, c'est quand on prend conscience de ça. Donc, j'ai créé de l'espace pour me consacrer à mon entreprise puis à celle que j'ai avec Firouze. Donc, c'est mes deux bébés. Mon entreprise à moi me permet d'aller travailler avec d'autres personnes, comme travailler avec Annick, travailler avec Myriam Turenne, puis là, des fois, Firouze est avec nous aussi. Tu sais, je reste quand même à pouvoir contribuer. C'est pour les femmes. Ce week-end, quand je suis à Nicolette, c'est pour les femmes. Quand je travaille avec le Chaînon à Montréal, c'est pour les femmes. Alors, tu sais, ma passion, c'est d'accompagner les femmes. Donc, c'est sûr que ça reste là. Donc, c'est très beau d'avoir la passion. Quelle énergie j'y mets? Quelle connexion j'ai? Ça, c'est bien important. Alors, voilà. Merci beaucoup. Croire en moi, être la leader de ma vie, absolument. Marlène, absolument. Absolument. Chantal, inspirante, belle présence. Ça me parle beaucoup, Chantal, oui. On a eu une belle séance en plus, hein, dernièrement, ensemble. Je vais trop m'éparpiller parfois. Ouais, mais ça, c'est beau parce que tu vas pouvoir voir avec l'énergie, si jamais bon, tu décides d'être là, avec l'énergie, ce que je vous ai montré tantôt, on le voit quand est-ce qu'on est plutôt éparpillé. Quand je suis éparpillée, c'est comme si mon énergie féminine, c'est pas... Je donne à tout le monde. Hein? Je donne à tout le monde. À tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais ça, mon énergie féminine, elle est en déséquilibre. Alors que quand mon énergie féminine, elle est en équilibre, j'ai de la facilité à me connecter à mes émotions. Je m'autorise. Quand mon énergie féminine est en son plein potentiel, je m'autorise à prendre soin de moi et à vivre le moment présent sans culpabilité. Bon, hein? Alors, quand on prend conscience de ça, on se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour rester aligné avec moi? Alors, merci beaucoup, Sylvie. Oh, ma belle Sylvie, merci beaucoup. Ouais. Ben oui, on est en réflexion, c'est correct. Moi, ce soir, je donnais cette séance leadership pour celles qui sont prêtes à dire, bon, j'y vais, je veux travailler, puis pour d'autres, ben, ça va être une autre fois ou pas. C'est comme ça, moi, je la donnais quand même, hein. Alors voilà, oui, écris-moi en privé, ma belle Nadine, absolument. Je vous remets le lien une dernière fois ici, les filles, pour celles qui payent en un versement. Donc, c'est Femme Leader 100. De toute façon, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez tout de suite, il est déjà écrit en bas, Femme Leader 100, vous avez un 100$ de rabais. Et pour celles qui disent, ben moi, j'aime mieux le payer en deux ou en trois versements, bien, vous avez un 50$. Au total de rabais. OK? Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, les filles. Vous êtes des amours. Je vais aller le mettre sur le YouTube pour pouvoir l'envoyer. Vous avez des questions, vous m'écrivez. Si vous dites, j'aimerais ça pouvoir te parler, écrivez-moi, on va se parler, on va prendre le temps. Il y a 15 places, donc je ne sais pas là, combien se sont inscrites. Vous le voyez en bas de toute façon. Combien de sur les 15, combien il y en reste. Et ce code-là, il est jusqu'au 30. Hein? Jusqu'au 30 parce qu'on doit faire le premier coaching privé avant le 4 mai. Alors, on se revoit peut-être le 4 mai. Je vous remercie beaucoup. Bye!